C'était pas si mal. Calme-toi. Ton empressement nous tuera. Désolé. Oh, encore des drogards. Mais ceux-là bougent pas. Ils sont morts. Enfin, plus morts. Atreus. Ils sont pas morts, ils sont pas morts. N'oublie pas, la précision avant la vitesse. C'était le dernier. C'était mieux. Prends encore plus ton temps. Peu importe si tu ne tires qu'une fois. L'important, c'est la maîtrise. Regarde ça. Lila. Oh. C'était une sorte de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Au-dessus de nous ! Quelque chose brise le mur ! Il y a quelque chose derrière le mur ! Tu entends? Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne t'éloigne pas. Mais qu'est-ce que c'est? On s'approche du champ bizarre, alors.
toujours pas pourquoi cet homme t'a attaqué devant chez nous. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas non plus. C'est quoi là-haut? Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais comment? Suis-moi. Plus tôt, t'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris? Mais je peux me battre maintenant. Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout. Parler. Un guerrier géant fait de pierre. Il la prépare à une grande bataille, on dirait. Odin est là, et Thor, et même le serpent monde. Oh, Thor a dû lui fracasser la tête. Tu vois? Mais là, il est écrasé sous le corps de Hrungnir. Idiot. On est perdu? Non. Atreus, par ici. D'accord. J'ai déjà vu ce langage.
Ça a marché. T'es mort. Tu penses qu'on sera en sécurité? Tu penses que c'est plus sûr ici? Regardez! Préparez les feux! Zygmunt, des couteaux! Tant de jours sans viande fraîche. Oh. Viande? Oh. Qui? Nous? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie. Taillés dans la viande, morceau par morceau. Laisse-moi m'occuper d'eux. Ce n'est que... Qui connaît la magie? Il a tué Gunther! Il a tué Gunther! Yeah.
Atreus! Atreus. Je m'en occupe. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. Cette chaîne. Forcément une issue. Ici. Va libérer la chaîne. Oui. Atreus, la chaîne. La chaîne, oui. Tu réfléchis trop, mon garçon. N'y pense plus. Il t'aurait tué. Je sais, j'avais pas le choix. Je comprends, c'est juste que... Dans ce cas, nous allons rentrer. Quoi ? Abandonner si vite, alors que nous venons de partir. Non, j'abandonne pas. Je peux le faire. Il faut juste que je... Enfin, que je reprenne mes esprits. Monte. Je suis prêt. Écoute-moi. Pour bien se battre, un guerrier doit être sans pitié. La route qui nous attend est longue et semée d'embûches. Elle n'est pas faite pour un enfant. Alors sois un guerrier. Je comprends. Moyen de faire traverser le pont à cette saleté de bourrique.
C'est parce qu'elle a peur de quelque chose là-bas dans les arbres. De quoi tu parles? Père, lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont. Ceux avec le tronc blanc. Tu avais raison. Hey, tu m'as l'air sacrément futé, mon petit gars. T'es bien un petit gars, non? Elle a un nom? Aucune idée. Cette sale bête m'a jamais demandé le mien, alors j'ai pas demandé le sien. Et toi? Brock. Vera Logan. Tu sais, tu vas sûrement pas me croire, mais cette hache que t'as là, eh ben c'est moi qui l'ai faite. Moi et mon frère, une de nos plus belles réussites. Alors laisse jamais personne y toucher en dehors de nous deux. Tu dois la manier avec grâce, si t'as pas envie de l'esclater. Je peux y jeter un œil et te la peaufiner maintenant, si ça te tente le balèze. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Tu avais raison. Je ne te crois pas. Viens, mon garçon. Il y a une rune qui a la forme d'une fourche en bas du manche. C'était notre marque, mon frère et moi, avant qu'on se sépare. Regarde, j'en ai une moitié ici. Alors, tu veux que je l'améliore, oui ou non? Très bien. Tâche de ne pas me décevoir. Mais où est l'autre moitié de la marque? Ah, c'est mon imbécile de frère qui l'a. Mais c'est moi qui ai tout le talent. Regarde. Ah, mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont de retour. Allez, c'est le moment de tester ta hache. Y'a de la place pour moi? Attends, tu casses rien. Oh, tu sens la différence? C'est passable. Je rêve. Tu sais ce qui est passable? Dans ce job, t'as marché dans la bouse? Comme lui? Je suis pas sûr. Ce chemin, il mène à la montagne. C'est la bonne direction, oui. Tu veux racheter un œil à ma marchandise? Bien. Ravi de t'avoir rencontré, Brock. Je vais réfléchir à un nom pour ton animal. Et si je l'appelais Grand Chauve Ingrat? Hé! Grand Chauve Ingrat! Viens là! Ça me plaît bien! Oh. Je pense qu'on peut aller par ici. Par ici. Pas très accueillant. Attends-moi ici. Derrière toi!
Vas-y. J'ai jamais vu la montagne d'aussi près. Elle paraît si grande. J'aurais voulu que maman voie ça. Allez, viens. Ça pourrait être utile. Hé, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Atreus. Regarde, il y a des runes sur le côté. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ce que nous sommes à deux, à trois, mais que je ne peux être seul. Une énigme? Il y a peut-être un indice quelque part. J'ai l'impression que ce cercle devrait tourner. Les cercles tournent. Redescends. Toujours pas. Atreus, que disent ces runes? Oh, ça dit famille. C'est pas un indice, c'est la réponse. Ce que je ne peux être seul. Tu vois? Prends ton couteau et trace les runes dans le sable. Vraiment? Kinslow. Il s'est passé quelque chose! D'avoir rencontré Brock. Mais je suis encore plus content de quitter cet endroit. C'est derrière nous maintenant. Quelque chose là-haut.
Atreus. Regarde ces traces. Peut-être un sanglier. Je suis pas sûr. Mais je le trouverai. Vas-y. Les réflexes d'un guerrier doivent toujours rester affûtés. Quelque chose d'intéressant. Là, regarde. Oui, père. Intéressant. Je devrais peut-être l'écrire.
perdu. Atreus, j'entends ton animal devant. Je savais que c'était incendié. Tire quand tu es prêt. Bande ton arc fermement. Le cuir des sangliers est épais. Mais je l'ai touché pourtant. J'ai fait comme t'as dit et la flèche a ricoché. C'est un sanglier magique. Qu'en penses-tu? C'est le sanglier le plus étrange que j'ai vu. Alors rattrape-le. Reste sur tes gardes. C'est encore ces hommes? Non, autre chose. Certains de ces corps appartiennent à ces créatures étranges. Aussi des drogards ici. Ils se sont peut-être battus. Nous intéresser. Ah, on voit le dos. Parfait. Regarde, il s'est faufilé sous le pilier. C'est bon. Le coude bien haut, la main ferme. On se détend. La précision avant la vitesse. Ouais! Ne le perds pas de vue. Atreus! Atreus! Où es-tu? Dépêche-toi, père! Atreus! Il ralentit!
Attends-moi, Atreus! 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 On ne savait pas qu'il était à quelqu'un. Il n'est pas à moi, c'est mon ami. Le garçon ne faisait que m'obéir. Alors aidez-moi. Appuyez ici, s'il vous plaît. Appuyez, je vous dis, il perd du sang. C'est le dernier de son espèce dans tout le royaume, et vous le tuez. Vous aviez si faim que ça? Je m'entraînais à tirer. Il s'entraînait à tirer. Je suis tellement désolée. Maintenez la pression. C'est de ma faute. J'aurais dû être plus vigilante. Il va mourir. Je ne le laisserai pas mourir. Vous, la flèche a probablement sectionné une artère. Trouvez les deux extrémités et maintenez-les. Commencez par le côté gauche. Maintenez-le bien. Le côté droit, maintenant. Tenez-le. Bien. Maintenant, rapprochez-les. Alignez-les. Une sorcière. Je ne peux pas finir l'incantation ici. Ma maison se trouve derrière ces arbres. Vous allez le porter. Il ne faut pas qu'il meure. Bien. Il a l'air stable et apaisé pour le moment. Graisse. Par ici. Cet arc est un peu grand pour toi, non? Ma mère me l'a fabriqué. Elle a dit qu'il m'irait plus tard. Je ne t'ai jamais vue dans ces bois. Tu dois beaucoup lui manquer. Elle... elle est morte. On emmène ses cendres sur le plus haut pic des royaumes. Ses cendres? C'était son dernier vœu. Atreus. Je suis vraiment désolée. C'est ici. Vous vivez dans un arbre? Pas dedans. En dessous. Emily! Regarde! N'ayez pas peur. Il est gentil. Atreus. Faites-moi confiance, il ne craint rien. Il est inoffensif. Vite. Posez-le sur ce symbole. Surveillez-le. Vous vivez seul? C'est mieux ainsi. Mon père non plus n'aime pas trop les gens. Atreus. Quoi? C'est vrai. Tenez-le bien pour qu'il ne se fasse pas mal. Bien. Doucement. Repose-toi. Il me faut deux choses. Il y a des racines rouges qui poussent derrière la maison. Tu peux m'en cueillir un pied? Quoi d'autre? Écoute. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai? Sur votre vraie nature, ou la sienne. Ça ne te regarde pas!
Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers, crois-moi. J'en sais quelque chose. Quand ils te trouveront, et ça arrivera, ce ne sera pas une partie de plaisir. Le garçon exigera des réponses. Ça, c'est mon problème. Quoi que tu caches, tu ne pourras pas le protéger éternellement. Mais tu as raison. Ça ne me regarde pas. J'ai aussi besoin de cardamine. Une fleur blanche qui pousse dans le jardin. Une poignée suffira. Très bien. De la cardamine. Avec ça, peut-être. Je l'ai fait tomber. Pendant que tu poursuivais l'animal. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Si je l'avais perdu. Tu l'as déjà perdu. J'y ferai plus attention, c'est promis. C'est exactement ce qu'il me faut. Il va pas mourir ? Non. Alors nous partons. Attends. J'aimerais te remercier. Tu veux être tranquille ? Cette marque te dissimulera aux yeux des... de ceux qui pourraient vouloir te barrer la route. Luina. Luina. Hemle. Il y a un raccourci sous la maison qui vous permettra de sortir de ces bois sans danger. Descendez par ici. Et suivez la lumière. Est-ce qu'on se reverra? Autant que tu en auras envie. Maintenant, file de là. Allez, viens. Ce passage souterrain vous remettra sur le chemin de la montagne. Prenez le bateau. Attends. Prends ça. Serre-t'en pour t'orienter et trouver ton chemin. Elle pointera toujours vers ton objectif. Je vois le bateau!
Ne touche pas l'eau. Pourquoi ? Tu sais ce qu'il y a sous la surface ? Non. C'est tout noir. Alors, ne touche pas l'eau. Bien plus vite. J'arrive pas à croire que je suis ici, en train de faire tout ça. Il y a pas si longtemps, je pensais que je quitterais jamais nos bois. Ou même mon lit. Ce n'est pas ta faute si tu as été malade. Oui, je sais. C'est juste une façon de dire que je suis content. Tellement proche. On arrive dans la mer. Comment tu le sais ? À l'odeur. Si la mer sent comme ça, alors elle pue. Regarde ça ! C'est Thor ! Thor, le dieu du tonnerre. C'est ça ! Je pensais que t'écoutais pas quand maman parlait des dieux. J'écoutais rarement. A-t-elle déjà parlé d'un dieu qui ne ressentait pas la douleur ? Oh. Ça doit être Baldur. Baldur. Mon dieu As, fils d'Odin et de Frigg. Et Odin est leur roi. C'est ça. Pourquoi cette question ? Il y a des runes. Sur sa poitrine. J'arrive pas à les déchiffrer d'ici. Il est écrit : sacrifie tes armes aux profondeurs de l'eau, tire de son sommeil le berceau du monde. On doit jeter nos armes dans l'eau, c'est ça ? Ça sera pas un problème pour toi. Est-ce que tu vas le faire ? La hache n'est pas revenue. Thank you.
Et ça, c'est la statue de Thor. Sauf qu'on le voit beaucoup mieux maintenant. Le niveau de l'eau a baissé quand le serpent en est sorti. Oh, ça explique pourquoi cette plage n'était pas là avant, tu vois? Et là, c'est la montagne. Regarde, ce bâtiment relie le pied de la montagne au temple doré. Tout était caché juste sous la surface. Sauf la statue. Heureusement, hein. Il y a même un quai. Là, à côté du drapeau. On va d'abord sur le quai, pas vrai? On sera les premiers à poser le pied dessus depuis une éternité. Que sais-tu à propos de ce serpent? C'est un des géants. Il est tellement grand qu'il entoure le monde et mord sa propre queue. Une exagération. Je sais pas, il m'a paru plutôt grand. C'est là depuis combien de temps? Depuis très longtemps. C'est le chemin pour la montagne? Il semblerait. Ce serait pas notre grand balèze barbu et son avorton? J'ai justement quelque chose pour vous! Brock? Mais comment as-tu... Mêle-toi de tes oignons et venez plutôt...